Bonjour, je m'appelle Eugénie, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiante en école d'ingénieur à Paris. Je suis volontaire pour effectuer un service civique en Israël au sein de l'hôpital Carmel Medical Center. L'intitulé exact de la mission, c'est donc le soutien aux activités d'un département de cet hôpital. C'est-à-dire que les différentes missions que nous allons que je vais devoir effectuer au sein de l'hôpital, ça va être la distribution de nourriture aux patients, ça va être leur fournir un environnement convivial et d'améliorer leur qualité de vie au sein de l'hôpital. Pourquoi j'ai choisi d'effectuer mon service civique en Israël? Donc l'Israël, c'est un pays extrêmement riche au niveau culturel et au niveau historique, et donc pour mon enrichissement personnel, je trouve ça extrêmement, extrêmement intéressant. C'est aussi le berceau de notre culture actuelle et de nos civilisations. Toutes les civilisations d'ailleurs sont passées par ces territoires. Ensuite, donc j'ai choisi d'effectuer cette mission. Donc c'est pas par hasard. J'ai déjà effectué de nombreux bénévolats dans le domaine de la santé. Notamment en 2013, j'ai effectué un an avec une association d'accompagnement d'un jeune autiste, un petit garçon de 5 ans. Et donc je devais par le jeu l'amener à sortir de sa maladie et à s'intéresser au monde extérieur. Donc là, pour cette mission, je pars avec deux associations, l'association CIEU qui prône le dialogue interculturel et laïque entre les différentes communautés, et avec l'IVA qui est donc l'association des volontaires en Israël. On peut noter aussi que cette année, c'est l'année de l'amitié franco-israélienne en 2018 du coup, et de nombreux événements sont organisés aussi bien en France et en Israël pour fêter cette amitié.